Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Alors, on va reparler aujourd'hui de spin pour ce nouveau podcast. Parce qu'après la présentation de Human Easy Spinner, tu m'as contacté et effectivement, ce que tu m'as présenté m'a vraiment plu. Donc, pour commencer déjà, peut-être te présenter parce que tu fais quand même partie de l'underground sans vouloir anticiper, c'est t'as quand même la réputation de d'un développeur de génie. Donc Sylvain, qui es-tu? Pour faire rapide, fin de formation, je suis ingénieur. J'ai commencé à travailler dans un cabinet spécialisé en mécanique des fluides et j'ai rapidement mal tourné. J'ai créé ma boîte en 97. Donc, depuis, je fais du développement sur mesure, du web. Donc, j'ai connu les débuts du SEO. Et depuis, je fais des sites, des applis, du SEO pour des clients, très gros comme très petits. Et plus ça va, plus je travaille directement pour moi. Voilà, et dans ton temps libre, tu arrives à développer des outils qui nous étonnent toujours à chaque fois. Voilà, dans le fond, enfin, je suis plutôt un bidouilleur, quoi. Ouais. Je démonte les trucs pour les remonter à l'envers et les détourner de leur usage. Et quels sont tes langages de programmation favoris? Oh, ça varie pas mal. Enfin, j'ai commencé. Enfin, j'ai un. J'apprécie particulièrement enfin, tout ce qui est programmation objet. J'ai commencé avec des choses comme Delphi. Et maintenant, c'est plus ce qui est disponible comme langage web, principalement du PHP actuellement. D'accord. Ok, donc maintenant, la problématique du content spinning, bon déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est, peut-être en deux mots, comment tu définirais le content spinning? Alors, enfin, il y a plusieurs approches. Le content spinning avec la syntaxe classique qu'on connaît, les accolades, les pipes, c'est un format qui permet de coder en un seul texte, en un seul fichier, plusieurs versions différentes d'un article. C'est enfin, juste un formalisme de représentation. Donc, l'outil XSpin permet de produire ce type de format. Par contre, on peut aller encore plus loin avec des choses qui, à la limite, enfin, ne sont plus représentables en syntaxe spin. Voilà. Parce qu'en fait, pour résumer la situation, on s'amuse à se faciliter le travail par des moyens divers et variés. Et puis, au bout d'un moment, Google laisse faire parce qu'il a besoin d'un certain volume, disons, de données pour commencer à contrer, à mettre la contre-attaque en place. Donc, par exemple, ton outil, moi, c'est vrai, m'a rappelé les belles heures de Yahoo Pipes où on prenait des flux RSS qu'on mélangeait, ça nous faisait du contenu unique et ça marchait très bien, ça, au début des années 2000, quoi. Et après, ça a plus marché. Donc, le spin, tel que tu l'as défini, la première version, c'est-à-dire, bon, voilà, on met des variables sur certains termes. Ben ça oui, ça a eu son heure de gloire. Et puis aujourd'hui, ben, on voit que concrètement, dans les résultats de recherche, enfin dans l'index de Google, ça apporte plus grand-chose. C'est-à-dire que on peut spinner à tout va, mais ça les pages ne montent pas comme avant. Voilà, Maintenant, il y a aussi ouais. l'aspect enfin, que le spin et la syntaxe spin, c'est démocratisé. Enfin, maintenant, tout le monde l'utilise, voire l'utilise sans savoir à quoi ça sert ou quel était l'objectif premier, et utilise une version très pauvre du spin, qui est juste je prends une phrase, je remplace tous les deux mots ou tous les trois mots, chaque mot par quelques synonymes, et puis je crois que je peux générer plein de versions différentes. C'est très limité comme approche. Donc ça sert, basiquement, aujourd'hui, ce que font, donc, moi je dirais, 90% des spinners, c'est uniquement pour, genre, passer la modération des soumissions annuaires et sites de communiqués de presse qui demandent du contenu unique. Voilà, oui. C'est à peu près le seul intérêt, jusqu'à l'arrivée. Enfin, donc moi j'avais présenté dans un podcast une méthode où
ou en travaillant à partir de templates et surtout en cassant cette fameuse structure, on peut vraiment présenter par contre du texte qui lui ne sonne pas faux comme ces espèces de donc de mélange à peu près plus ou moins abject sur des synonymes et puis ou des concurrences et puis ensuite effectivement voilà que le texte soit lisible et que ça passe un taux d'unicité qui soit quand même correct quoi. C'est-à-dire que on rentre pas dans la problématique du duplicate content qui est d'après moi quand même un peu surdimensionné. Il y a plus de peur que de mal mais bon ça c'est un autre sujet. Mais ta présentation des templates, enfin des modèles à trous, enfin c'est une des choses qui m'a inspiré. Et enfin, je pense vraiment que c'est ça parce on se trompe facilement. Enfin, quand on pense à contenu unique, on a tendance à penser qu'il faut que tous les mots, toutes les phrases soient vraiment uniques d'un article à l'autre. Et ça, d'une part, enfin, c'est pas possible. Si on veut faire des choses vraiment uniques en parlant du même sujet, on va forcément utiliser des mots qui n'ont jamais été utilisés, donc qui n'ont aucun sens par rapport au contexte. C'est pas possible. On a forcément un champ lexical réduit quand on parle d'un sujet, et Google le sait bien. Et c'est pas juste des mots différents qui vont faire que le texte final sera différent. La structure a un rôle bien plus important, à mon avis. Ce qui sauve le truc, c'est surtout peut-être la médiocrité du web. C'est-à-dire que ce que j'explique souvent, c'est, prenons par exemple une petite dépêche AFP, un petit paragraphe qui va être pris par des centaines de sources et qui va être réécrit même manuellement, hein. Mais finalement, ce petit paragraphe, ok, il a été remixé par des centaines de personnes différentes, mais d'accord, c'est pas du pur duplicate, mais il y a quand même un niveau de duplicate très élevé qui, par exemple, si on fait des tests de LSA ou similaires, ça passe pas du tout, quoi. Et c'est là qu'intervient, en fait, pour aller au-delà, il faut alors, ce qui m'a impressionné, c'est effectivement ce que moi je pensais être faisable qu'à la main, tu l'as quand même intégré dans un outil. Donc allons-y peut-être quand même. On va aller voir ce fameux Xpin. Est-ce que tu veux que je charge un projet ou on démarre de zéro pour montrer le concept? Oh, comme tu veux, démarre peut-être de zéro Ok. pour montrer un petit peu comment ça s'organise. Donc il me faut obligatoirement effectivement ma sortie. Donc voilà, ouais, c'est des petits modules comme ça qu'on peut manipuler, mais qu'on peut avec les propriétés à droite. Et puis ensuite, ben vas-y, guide-moi, remarque. Donc, on va déjà prendre un exemple tout simple. Donc, oui, prends une chaîne d'entrée. On va simplement la relier telle quelle. Donc, en fait, le texte se balade de boîte en boîte en suivant les fils avec les relations donc qu'on peut définir comme on veut. Voilà, puis on peut en mettre d'autres, etc., quoi. Double-clic par exemple dans la zone de texte. Voilà, alors on a un éditeur un petit peu plus grand. Donc on peut saisir du texte normal comme on peut déjà saisir des portions de texte, de phrases qui ont déjà été préparées avec une syntaxe spinée. Et puis on peut en faire ça. Voilà. Donc là, si on veut utiliser ça comme plusieurs alternatives, voilà, on bascule NL2Spin. Et donc, à partir de ça, l'outil va générer la syntaxe spin qui correspond aux trois alternatives. Donc là, en fait, si j'appuie sur getText, On a une c'est variante à chaque fois. voilà. Et si on spin, Voilà, donc là, il n'y a pas la boîte, mais dans la zone de droite, on a dans les infos, on a voilà. la sortie au format spin. Donc j'ai gardé enfin, volontairement cette syntaxe puisque c'est ce qui est utilisé dans tous les outils automatiques ou les services en ligne de soumission pour rentrer du texte spiné.
Mais sinon, il y a également une API qui permet de générer des textes à la volée. Et Tout après, c'est dépend vrai que entre. là où ça va plus loin, c'est que bon, on a surtout ces des petites choses comme ça là qui permettent vraiment Voilà, donc en fait, à la base, le principe, c'est que la seule chose qui permet de vraiment bien construire et définir un master spin complexe tout en restant lisible, la seule chose qu'il fait bien, c'est un cerveau humain. Il n'y a aucun outil automatique qui va pouvoir prendre une phrase, un article, et le réécrire intelligemment en gardant du sens. Donc le cerveau humain, c'est la seule chose qui fait bien, et il faut un outil derrière qui permet d'organiser, de garder une vue d'ensemble du projet, mais en même temps d'aller au détail. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec donc ces systèmes de boîtes, l'aspect modulaire qui permet de cloisonner un petit peu certains aspects du texte pour les travailler à part et de les rappeler dans d'autres projets. Voilà, par exemple, là c'est concatène, Voilà, donc concatène, ça ajoute les bouts de texte les uns à la suite des autres. ça veut dire mettre bout à bout en, voilà, Voilà. en français. Alors oui, Sylvain a aussi la particularité quand même de nous faire des menus en genre en franglais, quoi. Ouais, ça c'est une marque de fabrique. Depuis que je t'avais montré la démo, j'ai remis quelques éléments en français quand même, mais pas tout. Et oui, donc là, ouais, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc oui, pour comment dire, commencer à passer au mixeur je veux dire les structures, quoi. Voilà, surtout casser la structure. C'est là où ça fait vraiment la différence, puisque une fois qu'on casse la structure, on a des sorties qui sont vraiment de tailles différentes, qui vont avoir des paragraphes qui ne parlent pas forcément de la même chose ou qui ne sont pas dans le même ordre. Et c'est des choses qu'on ne peut pas gérer, même avec des outils qui ont de la coloration syntaxique, qui mettent en évidence les plusieurs niveaux de spin. On est tout de suite perdu dans le détail, dans la complexité du spin. On a des éléments qui sont copiés-collés, qui se retrouvent 10 fois dans le code source, et ça devient complètement ingérable. Là, on peut très rapidement, mais par exemple, si tu... on peut peut-être montrer une démo, enfin, voir comment D'accord. la complexité arrive assez vite. Prends un nouveau projet à la limite. Un nouveau projet. On va prendre donc on va prendre un module permute. Donc le module permute, c'est lui qui permet de sortir plusieurs alternatives par rapport à ce qu'on lui a rentré. Donc on met une sortie à la fin, et puis on va lui mettre quatre sources au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très adapté. Enfin, dans un article, quand on va faire, par exemple, une liste à puces avec les avantages du produit, une liste de caractéristiques, des exemples d'avis sur le produit. Enfin, il y a plein d'excuses pour sortir des listes d'items. Et donc, ce module permute, par exemple, en nombre final, là, par défaut, il y a un. On va lui mettre deux. Et dans Transform, on peut lui mettre ULLI. D'accord, Bon. carrément, tu le mets en liste, ouais. Voilà, donc là, ce qu'il va faire, il va sortir un code HTML avec, dans chaque sortie, deux éléments parmi les quatre qui lui sont reliés. Et avec toutes les permutations possibles, donc en changeant l'ordre à chaque fois. Donc juste avec une petite construction comme ça, si dans chaque case, on met une ou deux alternatives, voire des phrases qui elles-mêmes contiennent déjà du spin, on arrive à quelque chose qui est d'une complexité déjà assez étonnante, juste avec ces six boîtes. Ouais, c'est en fait au premier abord, c'est vrai que ça paraît. On se dit bon, qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs-là? Et puis finalement, surtout après avoir regardé tes vidéos, ça se. Moi, j'anticipais parce que je l'avais eu en bêta. Tu m'avais fait l'honneur de le tester en bêta, donc j'avais regardé un petit peu. Après, si j'y suis revenu, et là, j'y suis revenu encore une fois pour préparer le podcast. Et finalement, ouais, non, c'est vrai que ça, t'as réussi quand même à sortir une logique, même si au début, on peut se dire, ouais, qu'est-ce que c'est NL2 spin, quoi. Mais bon, Ouais.
Très rapidement, on s'habitue à l'outil qui peut, oui, c'est vrai. Enfin, au début, le premier sentiment, c'était bon, c'est surtout l'antithèse de Human Easy Spinner. Où ce qui m'avait plu était justement le côté très user-friendly, quoi. Mais bon, cela dit, c'est vrai que quand on a, je sais pas si tout le monde sait à quoi je réfère quand on parle de Yahoo Pipes. Mais c'est vrai que ça m'en a rappelé la logique. Oui, Ouais. l'aspiration est là, oui. Alors peut-être que on peut charger un projet pour voir ce que ça donne Bien le sûr. résultat final. Alors, pour continuer peut-être sur ta logique de modèle à trous, on peut charger un module qui montre exactement comment on peut mettre ça en place très, très facilement. Donc, ben, il doit y avoir un module public si tu fais charger. Ah ouais, Alors, dans le menu, voilà, on va prendre le détail. Il doit y avoir un module qui s'appelle Film. un module qui s'appelle film. Non. Si, Voilà, t'es ouais. dessus. Yes. Donc là, c'est une petite démo donc, qui montre comment on peut mixer un modèle à trous avec des entrées de base de données. Donc voilà. Donc là, il y a quatre lignes. J'ai mis quatre phrases différentes avec déjà de la syntaxe spin à l'intérieur. D'accord. Donc bon, ça c'est un exemple fait vite fait en 5 minutes. On peut complexifier beaucoup beaucoup plus, mais déjà comme ça on va voir que c'est assez énorme. Avec donc des jokers et des petites variables, film nom, film Ouais, je vois là. réalisateur, qui vont être remplacés. Donc le module s'appelle public postage. C'est un peu ce que ça fait, un petit peu comme le module public postage de Word. Ça va mixer le master spin avec les différentes entrées de la base de données. Ah oui, important, c'est vrai qu'on peut. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout taper comme ça. On peut importer des bases de données SQL. Tu as Voilà, il y a des bases de linké tout données qui existent ça. Ouais. déjà, enfin, par exemple des fausses identités, des noms, des prénoms, des noms de ville, là une petite base de films. Et surtout, on peut gérer sa base de données perso. Chaque utilisateur a une base de données avec un accès administrateur, donc sur laquelle il peut importer ses données, triturer ses données comme il veut et les utiliser directement dans l'outil. Ça, c'est génial. Ouais. Ok, Donc, on y va? là, par exemple, voilà, donc uniquement avec un module qui donne les modèles, le module public postage qui dit dans quelle base on tape. Donc là, on sort diversion, enfin on extrait diversion à chaque fois de film. Donc, par exemple, voilà, si je préparais mon truc, clac. Après, l'autre. Voilà, on est là, par exemple, on en a fait deux. Et ce qu'il faut, si on essaye vraiment de le lire, on voit que ben ça marche, quoi, c'est lisible. Voilà, là à chaque fois on a une phrase qui est lisible et l'aspect modulaire de l'outil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce petit module, qu'on a défini quelques phrases comme ça qui vont mixer des variables, on peut les intégrer dans un autre projet, les réutiliser puisque cette même petite phrase va pouvoir, enfin on peut la caser à plusieurs endroits. Donc on va à chaque fois capitaliser sur le travail qu'on a déjà fait, on va revenir dessus, on va peut-être ajouter une ou deux variantes, un ou deux modèles. Et on finit par se construire une librairie qui peut être assez phénoménale, quoi. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que tu as évalué justement, vous voulez, comment on pourrait se. Tu m'avais passé des images hier. Est-ce que on peut, pour visualiser justement cette problématique de granularité, est-ce qu'on peut voir ça? Oui, bien sûr.
Alors, juste pour donner une Ah idée, oui. j'avais regardé avec un outil qui estimait le nombre de variantes possibles à partir d'un master spin et la similarité entre les versions. Avec ce master spin-là, donc juste les quatre phrases d'origine et 10 sorties de la base de données, on arrive à quelque chose comme 300 variantes possibles avec un taux de similarité qui est quasi nul. Voilà, en plus je crois que le problème c'est que tu vas avoir, c'est en appelant ça un master spin, finalement ça n'a pas grand-chose à voir avec les master spin qu'on peut acheter. Bon, ça peut valoir de quelques dizaines à quelques centaines d'euros, ou on peut se les faire soi-même, mais ça, enfin, franchement, on peut pas atteindre ce résultat avec les outils type. Enfin, tous ceux, j'ai pas tous ces cités, mais Oui, enfin, les TBS et consorts, enfin, oui, c'est pas du tout la même optique. Enfin, techniquement, ça ne permet pas de gérer ce niveau de complexité en restant lisible et en allant au détail. parce que le, ouais, c'est en plus là où il y a un petit peu, enfin bon, on va pas parler de, je dirais pas que c'est une arnaque ou quoi que ce soit, mais plutôt une tromperie, c'est. Effectivement, on achète un ou on fabrique un master spin en pensant que le pourcentage d'unicité sera suffisant pour obtenir un résultat. Et comme je disais en intro, au-delà de la modération, enfin, genre CopyScape, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Voilà, bah c'est clair que si on prend en compte le LSA, déjà dans les synonymes qu'on a ajoutés, il y en a plein qui vont être strictement identiques pour Google, donc qui vont vouloir dire la même chose. Dans les bouts de phrases qu'on n'aura pas remplacés, qui vont se retrouver dans le même ordre tout au long de l'article, qui va toujours faire à peu près la même taille, ça va donner autant de billes pour dire bah, c'est issu de la même matrice. Bon. Bon, maintenant pour les détracteurs je dirais, de la génération de contenu unique, honnêtement, c'est toujours pareil. C'est comme disait l'ami Rudy, c'est pas l'outil qui fait le moine. C'est-à-dire, même à la main, il y en a qui sont capables d'écrire Tout à fait, oui. de manière assez. Enfin, bon, ouvrez un Skyblog pour voir. Et puis sinon, notre défi qui est quand même aujourd'hui, surtout de réduire les coûts ou d'aller plus vite. Était heurté à ce. Enfin, moi personnellement, ce qui me gênait, c'était surtout ça, le manque de respect de l'internaute, du visiteur humain. Parce que quand on part dans le Google Text, qu'il soit fait à la main, encore une fois, ou en automatique, ça devient vite strictement du Google Text, quoi. Ouais. Mais là, t'es Oui, arrivé à là faire du Google c'est quelque Text chose. qui, enfin, en automatique, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas vu du Google Text qui pouvait et passer la modération humaine, c'est-à-dire ce fameux pseudo-critère de qualité, et aussi en automatique quand même, je veux dire, au niveau des robots, un texte, un résultat comme ça, même avec des textes, des tests type LSA, n'a absolument pas à rougir d'un résultat fait par un humain, quoi. Oui, et même, enfin, dire, on me disait ça. Enfin, j'ai eu des retours quand je parlais de spin, enfin, pas dans le contexte de cet outil, mais en disant ouais, mais bon, le spin, c'est juste bon à pourrir les moteurs de recherche, bande de parasites, c'est n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Enfin, le spin bien fait ou enfin des choses plus évoluées, du morphing qu'on commence à mixer avec des bases de données, c'est pas forcément une utilisation pour pourrir les résultats. Et le white hat qui va écrire à la main 50 versions de description pour ses annuaires, au final, ces 50 versions, elles seront pas plus uniques que s'il avait utilisé un outil intelligent pour le faire. Humainement, on peut pas faire 50 versions en se souvenant des 49 précédentes et en faisant quelque chose de différent. Bah, c'est clair, de toute façon, dès qu'on décline, enfin, moi j'avais l'exemple d'un site de tourisme avec mettant toutes les destinations en Europe ou même dans un pays où, enfin, dès qu'il y a moyen de pouvoir décliner le même discours, c'est-à-dire on veut pitcher la même chose mais avec une entité différente. Qui soit quand même dans le même giron. Je veux dire, quand on prend une destination, autour de la destination, on va parler quoi, du tourisme, de l'économie, de l'histoire,
ou faire la fête, etc. Et ça, quelle que soit la destination, ça sera toujours les mêmes sujets. Et c'est là que Voilà. ça devient intéressant, quoi. Parce que, effectivement, entre mon système où, bon, en théorie, on peut faire une page en 5 minutes, ou alors acheter une page à 5 euros ou 6 euros sur un des sites qui procurent ce service, ou alors passer un peu de temps à préparer son master spin et ensuite avoir des centaines de possibilités. Franchement, il n'y a pas photo. Enfin, dans le retour sur investissement, c'est obligatoire que le master spin gagne. La seule limite, Ouais. effectivement, tu l'as franchi, c'est que il fallait que ce soit quand même lisible. Donc, est-ce que je peux montrer les images? Ouais, vas-y. Par exemple, il y avait pour se représenter. Explique-nous ce qui se passe là. Donc ça, c'est un graphe qui représente un master spin. Donc dans la logique, les points, les disques représentent des mots ou des groupes de mots, et les liaisons, les chemins que peut prendre le master spin pour construire le texte. C'est-à-dire que là, donc chaque point est un mot, et quand on construit le texte final, on part du point de départ. Donc là, bon, c'est peut-être celui qu'on voit en haut à droite, là, j'ai plus en tête, mais ça doit être celui-là. Donc on part Par de ce là. point-là, et quand on a plusieurs alternatives possibles, on choisit un chemin, on arrive au mot suivant, et de ce point-là, on choisit le chemin suivant. Donc là, c'est un master spin à peu près classique. Enfin, c'est déjà un bon, c'était une review sur un produit qui était un master spin à deux niveaux, avec déjà des variantes de phrases, des synonymes assez fréquents. Et on voit bien cette structure qui apparaît dans le dessin du graphe, puisqu'on voit donc les points jaunes typiquement, donc qui sont des mots qui dérivent vers un groupe de synonymes. On a un ensemble de petits points bleus qui sont autant d'alternatives, qui reviennent vers un petit mot entre deux qui n'est pas spinné, qui retournent vers un groupe de synonymes, qui retournent vers un mot ou vers un groupe synonyme, qui retournent vers un mot. Donc on a des chaînes très très linéaires, avec quelques variantes alignées de temps en temps. Donc ça, c'est un spin classique. Bon, il a fait un petit peu pelote de laine. Si on l'étirait complètement, ça serait trop long, on ne pourrait plus voir en un seul coup d'œil. Mais on voit que c'est une structure qui est très linéaire. Et on imagine bien que si Google utilise un petit peu de LSI pour rendre plus similaires les points bleus ou supprimer les points bleus qui sont des synonymes des mots peu usités qui semblent louches, on n'a plus du tout une structure de spin, mais un texte complètement, complètement bateau. Enfin, la matrice est vraiment Ouais. identifiable facilement. Après, il y avait un deuxième exemple qui était génial. C'était un spin, enfin un master spin que tu m'avais montré en exemple sur Xpin. Et Oui. mon écran de 30 pouces suffisait pas pour montrer toutes les permutations, etc. que l'auteur avait créé. Voilà, donc là c'était un master spin qui était fait avec Xpin qui était un petit peu complexe. Donc on reconnaît sur le tour les structures un petit peu linéaires des phrases qui sont construites avec des remplacements de synonymes ou des phrases alternatives. Donc il y a des choses, enfin, on voit quand même que ça boucle, ça revient vers le milieu. Ça, c'est quand il y a plusieurs phrases, par exemple, enfin, des phrases avec des synonymes qui chacune sont des alternatives de l'autre. Donc on peut Tu avoir parles une petite boucle, de ces retours-là, ouais. une boucle plus grosse. Enfin, déjà là, même en gardant comme ça des phrases classiques avec des synonymes, en permutant, en remplaçant, en sacrifiant des phrases, on peut quand même avoir des structures et des longueurs de texte très très différentes. Et ce qu'on voit vers le milieu, là on voit des petits clusters, des zones nettement plus denses. Ça, c'est quand on utilise des modules ou des sources de données qui rajoutent un nombre important d'alternatives. Et du coup, il faudrait finalement arriver à un modèle qui est celui-là. Voilà. Alors dans le précédent, on voyait bien le contraste, le déséquilibre entre des zones très denses et des zones très très éclaircies.
Donc là, c'est soit qu'on en a un peu trop fait d'un côté, soit que les parties linéaires devraient être un petit peu complexifiées. Mais bon, l'un dans l'autre, enfin, autant faire plus et surdimensionner le spin que de faire trop simple. Et dans l'espèce de poisson qu'on a à droite, ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément demandé beaucoup de temps puisque ça a utilisé beaucoup de modules. Là, en Effectivement, gros, ouais. tous les amas qu'on voit, ça doit être autant de modules qui sont peut-être, enfin, des petits bouts de profil, des prénoms, des descriptions de villes qui ont été insérées et qui sont mixées avec le reste du texte. Et que représente le rouge dessous? Alors ça doit être un ensemble de liaisons qui vont toutes au même endroit. J'ai plus le master spin sous les yeux, je peux pas D'accord. préciser plus ce que c'était. Ok, donc revenons un petit peu sur X-Spin. Quels sont ben, comment déjà qu'est-ce que combien ça coûte, comment tu souhaites le commercialiser et est-ce que tu vas faire une version anglaise? Alors commercialisé, oui. Pour le moment, c'est utilisé en preview par quelques dizaines de personnes qui ont pu jouer avec avant tout le monde. Enfin, c'est vraiment joué parce que le principal retour que j'ai, c'est ça. C'est enfin, passer la première étape de prise en main, c'est vraiment ludique, quoi. C'est le premier retour que j'ai. Donc ça sera commercialisé sur abonnement, puisque c'est un outil en ligne. L'ordre de grandeur du prix, pour le moment, donc ça sera 25 € mensuels. D'accord. Ça risque d'augmenter au fur et à mesure des évolutions du produit, des fonctions, puisque il y a pas mal de choses encore qui sont prévues en développement derrière. Enfin, ça va pas s'arrêter là. Notamment des choses comme du posting automatique sur des blogs, en XML, RPC, etc. Parce que bon, enfin, on en a bien parlé, mais en mixant avec des bases de données, avec un minimum de modèles, c'est pas du spamco qu'on fait, c'est vraiment du contenu qui peut être utilisé comme contenu propre, même sur des blogs d'affiliation, des blogs de produits. Enfin, on peut faire du vrai contenu qui va être généré en automatique. Donc on met en place une fois et puis on a des choses qui sont alimentées toutes seules avec du contenu vraiment de bonne qualité. Version anglaise, c'est prévu dans le calendrier. Enfin, ça sera une fois que la version française sera sortie publiquement et sera bien rodée. Ça s'enchaînera directement sur la version anglaise, puisque oui, il n'y a pas de grosses différences ici. Enfin, c'est vraiment la même logique, le même usage. Donc ça, c'est utilisable tel quel en anglais. On peut déjà, enfin, il y en a qui l'utilisent pour faire des textes anglais, mais oui, l'interface, les dictionnaires seront en anglais. D'accord. Bah tiens, en parlant de dictionnaire, c'est à mon avis, moi, vraiment un des points faibles de cette technique, quoi. C'est-à-dire qu'on tourne quand même autour de. Et surtout le français, pardonnez mon langage, mais vraiment casse-couille pour cet exercice, quoi. En anglais, c'est, disons, beaucoup, beaucoup plus facile de spinner. Enfin, je pense, hein. Je ne sais pas si tu confirmes. Oui, ben c'est évident. Enfin, bon, il y a d'une part les outils qui sont pas forcément les mêmes, mais bon, il y a quelques bons outils français qui sont essayés à faire des choses intelligentes et lisibles à réécrire du français. On a toujours l'impression au début que c'est facile quand on n'a pas encore pratiqué, qu'on n'est pas rentré suffisamment dans le détail. Et plus on rentre dans le détail et plus on fait des cas précis, plus on se rend compte que c'est vraiment très piégeux. Et donc les dictionnaires seuls, il y a tellement de pièges qu'en automatique, ça peut pas marcher. Des dictionnaires thématiques, ça commence à être mieux, mais il faut quand même retoucher à la main pour bien faire. Si on introduit un petit peu d'analyse morphosyntaxique pour séparer ce qui est verbe de nom,
On arrive encore à filtrer un peu plus, mais dans la pratique, c'est jamais complètement automatique et il faut toujours retoucher à la main. C'est clair, voilà. Enfin, moi, c'est mon avertissement toujours à ceux qui pensent que dès qu'on prend un outil automatique, ça va être un gain de temps. C'est pas Le forcément, mythe du bouton. voilà, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Disons que là, il y a quand même une préparation qui est clé pour n'importe quel outil d'ailleurs, hein. C'est la phase préparatoire qui est très chronophage. Et si on la fait pas, ben c'est là que le désastre, ou disons là. Le niveau va rester très médiocre parce que bah, c'est configuré par défaut, effectivement, où on utilise un dictionnaire pêché comme ça, comme X centaines ou milliers d'autres personnes. Voilà, et on a de la soupe. Et Et pour faire de retour. la soupe, il y a peut-être d'autres outils qui Ouais. font mieux. Voilà, exactement. Et puis surtout, bon, pour continuer de contrer ce fameux moteur, il a fallu, il faut continuer d'évoluer. Là, avec ces deux dernières mises à jour, il a été, il commence à devenir vraiment lourd, que ce soit de panda ou pingouin. Mais même si, bon, là, on reparle du contenu, alors que c'est effectivement parler des backlinks qui est plus à la mode. Mais n'oublions pas effectivement que ces fameux Google Text, donc vraiment ces textes qui sont à. Le premier visiteur, c'est le moteur, et éventuellement un visiteur humain. Il n'y a pas besoin non plus de faire toutes ces. Enfin, ce qui me désole, c'est ça, c'est que je vois du texte fait par des humains qui ne mériterait même pas de qualificatif. Je veux rester poli. Donc, ouais, quand on prépare bien un outil, ça vaut le coup parce que si vous avez des gros sites avec plein de pages et plein de différentes variables, etc., enfin, au niveau des thématiques, sous-thématiques, etc., mais que ça peut s'appliquer à voilà, décliner diverses entités. C'est exactement un outil comme ça qu'il faut, quoi. Il n'y a Surtout que ça pas. permet de capitaliser et de réutiliser ce qu'on a déjà fait, puisque des outils, enfin, ceux qui ont un petit peu creusé, se sont déjà fait des petits bouts d'outils pour mixer des paragraphes, gérer les différentes permutations d'un texte, etc. Mais c'est des choses qui sont à usage unique, où on colle un texte source, ça sort la soupe avec le même texte qui va être se retrouver en sortie 10 fois, et on peut pas revenir en arrière pour modifier un petit élément, changer un synonyme ou le réutiliser dans un autre projet. C'est des choses où on refait toujours le même boulot, on copie-colle bêtement. Bon, c'est pas comme ça que je vois les choses. Ce que je voulais montrer, c'est je te l'avais montré hier, enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là est assez parlant, où on vend des instruments de musique. Donc là, c'est un petit mind map fait autour de la guitare électrique, où on a donc les différentes composantes de la guitare. Là, il y a les types de musique, comment apprendre, les accessoires, l'histoire, les photos, des vidéos, les musiciens célèbres, les marques. Et les différents modèles. Et ensuite, effectivement, qu'on parle d'une guitare électrique, d'une batterie, d'une flûte, on peut toujours avoir les composants, les marques, etc., etc. Et il suffit à chaque fois d'aller pêcher dans des bases de données qui correspondantes pour faire tourner son. Et ça, on peut le décliner, voilà, tout son catalogue comme ça, avec du texte qui sera du. Sorte de. Enfin, j'aime pas l'appeler master spin, ça serait plutôt une matrice, je dirais. C'est plutôt ça, c'est une matrice qui va ensuite ben, générer ce que vous avez vu dans la démo. Mais on part, enfin, c'est vraiment pour ce type d'utilisation et tous les sites e-commerce quasiment sont concernés. Hein. Voilà, mais Et. c'est là où il y a. Enfin, ça, c'est clair que c'est un potentiel énorme, parce qu'on ne peut pas se passer pour des sites e-commerce de mixer des choses avec les bases de données. C'est impensable de vouloir le faire à la main. Après, ça dépend. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à. Admettons, j'ai une gamme de. Je vends des chaussures. J'ai dans ma gamme donc le même modèle. Je vais avoir 10 couleurs. Je sais pas combien il y a de tailles. Dizaines aussi, peut-être. Non, peut-être moins. Bon, peu importe. Mais là, est-ce que les. Parce que la variable, ça va être couleur, ça va être taille. Après, il y a peut-être une catégorie homme, une catégorie femme, et puis le modèle.
Là, par contre, est-ce qu'on n'est pas un petit peu limité? Est-ce qu'il y a vraiment une solution quand ce sont des variables qui sont, enfin, quand même assez insignifiantes, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'on veut vraiment différencier pour toutes les couleurs et toutes les tailles? Enfin, sur un site e-commerce, on va se retrouver avec une page par produit. Est-ce que chaque variante couleur-taille va avoir une page et va avoir besoin d'un texte spécifique? Oui, ça c'est plus une question référencement où effectivement moi je préconise d'avoir ce que j'appelle une tête de pont, quoi. C'est-à-dire on envoie à la guerre un des modèles et puis les autres doivent venir au contraire l'appuyer plutôt que ce qui se passe en réalité où tout est à l'horizontale et quasiment parallèle. Mais Ouais. bon. Après, ça peut dépendre, par rapport à la problématique taille couleur, pour reprendre l'exemple, ça peut dépendre aussi du positionnement de la marque et de comment on veut présenter ça. Mais si on veut écrire un article sur les tennis roses taille 36, on peut trouver dans les bases de données ou scraper des références sur la signification de la couleur, le rôle de tel truc, quel acteur ou actrice chose du 36 et trouver du contenu pour broder autour et avoir une portion de contenu complètement unique pour chacun. Zut, je croyais t'avoir coincé, mais t'as trouvé une parade. Bon, tiens, je vois, ça fait 40 minutes qu'on papote, donc on commence à épuiser nos auditeurs. Donc il est temps de conclure. Alors, bon, bien sûr, il va y avoir tous les liens qu'il faut dans le billet. Si je ne m'abuse, par contre, va pas y avoir de manuel, c'est ça? Pour le moment, il n'est pas encore fini. Donc, Ouais. il y a des vidéos Ah des d'accord, il n'y a pas vidéos de encore. démo, un forum avec des Ouais. questions-réponses. Donc, c'est utilisable tel quel. Tous ceux qui l'ont essayé se sont débrouillés avec les vidéos. Le manuel va venir. C'est pour ça aussi que, enfin bon, je le lance comme ça un petit peu de manière confidentielle pour ne pas avoir d'afflux de clients trop brusques, le temps de tout mettre au point et de terminer le manuel. L'outil évolue encore pas mal. Enfin, il y a des modules. Le module publipostage, il est assez récent. Donc bon, j'aime bien avoir fait le tour de ce que veulent les utilisateurs de leurs besoins principaux avant de dire c'est bon, on fixe cette version-là et on fait le manuel qui va bien. Voilà, ouais, c'est sur le forum privé Code SEO que tu as lancé l'expérimentation. Voilà. Mais effectivement, si on veut te poser des questions, à la limite, le mieux c'est sur ton forum ou. Voilà, il y a un forum Ouais. sur Isospin et D'accord. bon, Ok, je ça donnerai sera toujours l'adresse. très réactif en support. Mais écoute, Sylvain, merci d'avoir pris le temps de nous présenter cet outil qui, à mon avis, est. Enfin, vraiment, hein, je te félicite sur le résultat parce que c'est quelque chose que j'avais imaginé, mais je ne pensais pas un jour le voir réalisé, quoi. Donc, non seulement je vais être utilisateur, mais je souhaite longue route à Xpin et j'espère que tu. C'est pour ça que je posais la question sur l'international parce qu'à mon avis, tu vas Ouais. jeter un gros pavé dans la mare dès que ça va se faire savoir de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Oui, c'est pour ça que je le fais, parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à attendre. À partir du moment où ça va être connu, si je le fais pas, quelqu'un d'autre fera quelque chose de similaire. Donc, C'est clair, ouais, non, bien sûr. Ok, Sylvain, merci encore, et puis, Merci à toi, bah, Laurent. écoute, à très bientôt. Ok. Allez, ciao.